Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour No Match Up et aujourd'hui on se retrouve Gare de Lyon pour retrouver mon ami Rudy, rider No Match Up et créateur de la structure Frisket Academy. Salut Rudy, comment ça va? Bonjour, comme Kylian m'a présenté, c'est Rudy, créateur de la Frisket Academy, une association de rollers spécialisée dans le roller urbain et le street aussi. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve ici parce qu'il y a quelques élèves à lui qui sont venus pour un cours et on va leur faire une petite surprise. À la fin de leur cours, on va faire une chasse aux œufs avec des lots No Match Up. Allez, c'est parti. Juste avant d'aller rejoindre le groupe de riders et Rudy pour voir un peu son cours, l'échauffement, etc. et bien sûr la chasse aux œufs. Si vous ne nous connaissez pas encore, on est un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. On vend tout ce qui est en rapport avec le roller, le skate, la trottinette et le BMX. Et bien sûr, on fait des vidéos en rapport avec ces sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner maintenant et sinon vous le ferez à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. On va rejoindre Rudy là-bas. Là, on va retrouver mon groupe d'élèves pour un échauffement spécifique et ensuite on pourra enchaîner avec la chasse aux œufs. Allez, c'est parti. Tiens, on forme un cercle autour de moi. Faut fermer. Autour de toi. Oui, autour de moi. Ah, viens, je pose un genou au sol sans utiliser les mains. Ok, pas mal. Main sur les genoux. Je fais un saut. Hop. Là, on a cherché le déséquilibre en patin. Volontairement, je colle mes mains sur mes genoux pour rebasculer les poids vers l'avant pour éviter de chuter et de tomber sur les fesses. Vous voyez, ils ont des protections. Ils tombent dessus, ils auront pas mal. Voilà, hop, allez en sécurité. No Match Up et surtout Roller Blade aussi qui nous a régalé pour les enfants aujourd'hui. Nous avons un casque de compétition qui protège leur tête, une paire de Roller Blade aussi avec un jeu de protection. Ensuite, ils nous ont envoyé des super t-shirts de compétition. Une deuxième paire de patins pour un patinage un peu plus expérimenté qui est super avec ces patins. Comme vous pouvez voir, c'est des tailles réglables. Du coup, votre enfant grandit et puis la paire grandit aussi avec votre enfant. Oh putain, comment c'est vendeur cette phrase. Sac Rollerblade aussi. Voilà, ils nous ont régalé pour cette vidéo et cette chasse au trésor pour Pâques. Et donc les amis, ce qu'on a décidé de faire, c'est que ces petits sacs Rollerblade, on va en fait les cacher ici autour de nous. Bien sûr, les élèves vont aller se cacher un peu plus loin. Et dès qu'il y aura le top départ, et bah premier arrivé, premier servi. Et celui qui trouvera le sac en premier pourra ensuite choisir à tour de rôle le lot de son choix. C'est parti les gars, c'est la chasse aux œufs pour Pâques. On va mettre un dans le sapin, on va voir s'ils vont être observateurs. Dis-moi Kylian, on les fait galérer ou pas un petit peu? Ah il faut hein. Ils vont être un peu en hauteur, ils vont devoir crapahuter comme on dit. Et voilà. Ah, du gris sur du gris. Tiens regarde, dans la bouche d'égout en face là. Tu peux en mettre un, ça c'est un truc un peu de troller sur toi. Ouais exactement. Bon bah voilà, on a caché les petits sacs à dos. Maintenant on attend les Smarties comme on les appelle, là, les petites crevettes qui viennent chercher leurs petits sacs à dos pour avoir leur lot. Et c'est trouvé. Tous les sacs à dos ont été trouvés, donc maintenant on va aller distribuer les lots qu'ils ont mérités parce qu'ils ont, ils ont bien géré. Et voilà les amis, fin de vidéo. Les enfants ont été extrêmement contents d'avoir ces petits lots, d'avoir fait cette chasse aux œufs. T'en as pensé quoi? Super, ils ont profité d'avoir un super cours, ils ont eu une petite surprise à la fin, ils ne s'attendaient pas du tout. Et puis ça sert surtout aussi à des enfants qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une paire de patins. Là ils ont une paire de rollers neufs, ils ont des t-shirts, des sacs à dos. Et là ils sont super contents pour pouvoir profiter du soleil et de rider en sécurité. Bon voilà les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez eu pour la fête de Pâques, que ce soit du chocolat ou pourquoi pas des cadeaux pour les plus chanceux. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, ciao les potes et bon ride.